Donc je m'appelle Mickaël Camdem, j'ai 30 ans, j'ai créé le magazine Roots il y a 5 ans à la fin de mes études. Et donc voilà, donc Roots Magazine, un magazine sur la culture afro-caribéenne. Premier magazine gratuit et haut de gamme, donc qui touche un petit peu à tout. Il y a de la mode, il y a de la beauté, il y a une partie gastronomie, une partie business, une partie évasion. Donc l'idée c'est mettre en avant les entrepreneurs afro-caribéens, mettre en avant les porteurs de projets, les artistes, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, tout le lifestyle afro réuni en un magazine. Okay. Alors moi en fait j'ai fait une école de commerce avec un master 2 en communication. Et en fait, moi, à la base, à la fin de mes études, donc j'étais en bac ES au lycée. J'avais longtemps hésité entre journalisme et une école de com. Finalement, j'ai fait une école de commerce. Et concrètement, ma dernière année, on devait faire un projet d'études où on devait créer un média, que ce soit web, papier, télé, radio, peu importe. Et en fait, si tu veux, moi j'étais dans une promo, on était 300 étudiants, sur 300 on devait peut-être être 3 noirs. Et avec tous les clichés qui vont avec, toutes les conneries que t'entends au quotidien. Et c'était pas forcément du racisme, c'était juste de l'ignorance. Du coup j'ai proposé à mes potes qu'on fasse un magazine afro pour leur montrer que bah, ça allait au-delà des clichés de ce qu'ils pouvaient voir à la télé, etc. Parce que moi-même, j'avais 25 ans, je me reconnaissais pas dans l'image des noirs qu'on voyait à la télé en fait. Les seuls noirs qu'on voyait c'était soit des sportifs, des rappeurs, etc. Soit des comiques, donc les NJJ, les Boué, Omar Sy, c'est bien, hein, je critique pas, il en faut. Mais moi je voyais pas d'entrepreneurs, je voyais pas d'intellectuels, je voyais pas de... En fait c'est comme si les entrepreneurs noirs n'existaient pas, alors que moi je les voyais au quotidien. Et concrètement, moi je suis pas du genre pleurnichard, donc je suis pas là à quémander les choses. Les gens le feront pas pour nous, à nous de le faire. Donc j'ai proposé à mes potes, ils étaient OK, on a eu la meilleure note de la promo. Et concrètement, à la fin de mes études, je me suis dit, bah, j'avais 25 ans, je ne suis pas marié, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de crédit sur le dos. Qu'est-ce que je risque? Et donc du coup, je l'ai tenté pour de vrai. Et 5 ans plus tard, on est là. OK. Alors déjà, j'ai accepté que le magazine soit partenaire de l'événement. Pour plusieurs raisons, parce que déjà c'est un de mes grands frères, Lion, qui m'en a parlé. Déjà il m'en a parlé, donc il m'a bien expliqué le projet, etc. Ça m'a parlé, ça partage les valeurs du magazine. Mettre en avant l'entrepreneuriat, mettre en avant les entrepreneurs, mettre en avant les choses qui bougent. Donc pour moi c'était naturel de répondre présent. Et non, c'est un honneur qu'on ait pensé à nous, donc j'ai pas hésité un seul moment. Qu'est-ce que la réussite? Je sais pas, c'est un bien grand mot, hein, parce que la réussite, il y a la réussite professionnelle, il y a la réussite familiale, il y a la réussite... Réussir sa vie, moi je sais pas vraiment ce que ça veut dire, parce que chacun se fixe ses objectifs. Moi, il y en a qui vont me dire que j'ai réussi, mais au final, moi j'estime pas avoir réussi, parce que je sais où je veux aller, et je suis même pas à 10% de ce que j'ai envie de faire. La réussite, c'est propre à chacun. Moi, je pense que je sais plus quel philosophe avait dit que réussir sa vie, c'est... Non, il avait dit le secret d'une vie réussie, c'est de bons amis, de bons livres, et s'endormir sans avoir de regrets ni de dettes envers personne. Je pense que c'est une bonne définition. C'est pas forcément la mienne, mais en tout cas, je pense que c'est une bonne définition globale. Moi, je considérerais que j'ai réussi qu'en route, ce sera le média noir le plus influent au monde. Ben, en fait, si tu veux, si je prends mon cas personnel, je rencontre souvent des personnes qui me disent « Oui, bravo, t'as été courageux, etc. » Moi, je pense pas que, si je prends vraiment mon cas perso, hein, je pense pas que j'ai été courageux dans le sens où, pour moi, ce qui est vraiment difficile, c'est, je vais te prendre un exemple, par exemple, je sais pas, t'as 30 ans, t'as 35 ans, t'es installé avec ta femme, vous avez pris un crédit, t'as ton boulot, t'as ta routine. Là, plaquer son boulot, tout plaquer pour ensuite monter une boîte, ça c'est prendre des risques. Ça c'est franchement, ceux qui font ça, je sais même pas si je l'aurais ce courage là. Parce que demain tu te plantes, c'est pas ton affaire à toi, t'embarques toute ta famille avec.
Moi, je pense que justement, la force des jeunes et ce qu'ils doivent comprendre, c'est que plus tu es jeune, plus c'est là qu'il faut entreprendre. Parce que c'est là que si tu fais des erreurs, bah, c'est pas très grave. C'est là que tu peux apprendre le plus rapidement possible. Et concrètement, quand tu es jeune et que tu n'as pas de vraies contraintes derrière toi, bah, tu n'as rien à perdre à part apprendre. T'en as qui ont fait des 1, 2, 3, 4 faillites avant que la cinquième, ce soit une explosion. Et si j'avais pu, franchement, j'aurais même commencé à 19 ans, à 20 ans, parce que ce n'était pas les idées qui manquaient. Maintenant, limite, mes études, je les ai même plus fait pour faire plaisir à ma mère. Et bon, je dis pas qu'il ne faut pas faire d'études, hein, c'est important, ça te construit intellectuellement, etc. Mais je dirais aux jeunes, ouais, de ne pas avoir peur, qu'ils ont rien à perdre. Après, s'il faut rentrer vraiment plus dans le détail, je dirais aux jeunes, je pense que ce qui les bloque beaucoup, c'est ne pas faire attention aux réseaux sociaux. Parce qu'il y en a plein, par exemple, je sais pas, ils vont lancer un business, ils vont voir qu'au bout de, je sais pas moi, au bout de 2 mois, ils n'ont pas de like sur Facebook ou il n'y a pas de répercussions. Enfin, je trouve que les gens sont trop axés sur l'impact des réseaux sociaux. Et surtout, moi, ce que je vois chez les jeunes, c'est qu'il y en a plein qui pensent qu'on lance un business et qu'on devient millionnaire en un an. Et qui, au bout de 6 mois, parce que ça n'a pas explosé, ils se découragent et ils passent à autre chose, etc. Et moi, ce que je vois des entrepreneurs que je côtoie tous les jours, il y en a, ils ont mis 2 ans, il y en a, ils ont mis 5 ans, il y en a, c'est au bout de 6 ans que c'est explosé. En fait, parce que les mecs sont déterminés, ils croient en leur projet, ils savent exactement où ils veulent aller. C'est soit tu crois en ton truc et t'es prêt à charbonner, t'es prêt à te dire que bah, peut-être que pendant 1 an ça va être chaud, peut-être que pendant 2 ans ça va être chaud. Mais en tout cas, si c'est partir dans l'état d'esprit de te dire qu'au bout de 6 mois, faut que ça explose, faut laisser tomber et faire autre chose. Si je devais reprendre des expériences par rapport aux magazines qui m'ont forgé, en fait, si tu veux, moi, je puise ma force aussi des gens qui doutent. Et je me dis, toi, tu vois, je vais te montrer que tu avais tort de douter. En expérience mauvaise, enfin, c'est même pas une expérience mauvaise, parce qu'au final, je te dis, c'est ce qui m'ont durci. Quand j'ai commencé le magazine, donc moi, je suis originaire du Cameroun, j'avais eu une audience auprès de l'ambassadeur du Cameroun en France. Je m'étais dit, bon voilà, c'est l'ambassadeur du Cameroun, il doit avoir plein de contacts, il va m'orienter vers telle personne, etc. pour m'aider dans les débuts. Donc il me reçoit dans son bureau, je lui présente le projet, je lui explique le magazine. Je me rappelle, j'avais la maquette fictive du magazine sur papier. Donc il m'écoute, il me laisse parler comme ça pendant 20 minutes sans m'interrompre. Après il me dit, bon t'as fini, ok c'est bon. Je dis ouais, j'ai fini. Il me dit, toi t'es français ou t'es camerounais? Donc je voyais où il voulait en venir. Je lui dis, bah, bon, je suis français, mes parents sont camerounais. Il me dit ok. Donc sachant que ça faisait 20 minutes que je venais de lui parler d'un projet d'entrepreneuriat. Et là il me regarde comme ça et il me dit, mais tu veux pas aller chercher un travail comme tout le monde? Donc j'ai dit ok, merci, au revoir. Je me suis levé, je suis parti. 2 ans après, ce même ambassadeur, je le recroise à une réception. Donc le magazine était déjà sorti. Et là il vient me voir, genre, ah mon fils, félicitations, bravo, je savais, etc. Et au final, ça c'est le genre de truc, ça aurait pu en démotiver certains. Moi, ça m'a donné encore plus envie de lui montrer que, bah, qu'il m'a raconté des conneries. Après, bonne expérience, franchement, il y en a plein. Il y en a plein parce que même si je sais que j'ai énormément travaillé, personne ne peut se faire tout seul. Le mythe du self-made man, ça n'existe pas. Au final, aujourd'hui, j'ai un gros réseau. Pourquoi ? Parce que des personnes m'ont orienté vers d'autres personnes, qui m'ont orienté vers d'autres personnes, et ainsi de suite. Et au final, mes bonnes expériences, bah, c'est toutes ces personnes-là, c'est ceux qui te font confiance, surtout au début. Parce qu'aujourd'hui, c'est facile, ça fait 5 ans que j'ai fait mes preuves. Donc quelque part, entre guillemets, c'est facile de me faire confiance. Mais il y a 5 ans, quand j'arrivais, je sortais de nulle part. Il y a des gens qui ont cru en mon discours, qui m'ont ouvert les bonnes portes. Et au final, je pense que ouais, c'est ces personnes-là, mes bonnes expériences. Ah, c'est la base, le réseau. Personne, à part si tu crées le produit... qui n'existait pas, je sais pas, à part si demain tu crées Uber ou que tu crées Facebook, mais sinon si tu crées un business entre guillemets déjà existant, même si je pense qu'on a apporté des innovations avec le magazine, on n'a pas non plus créé la lune, t'as besoin de gens qui vont t'ouvrir des portes. La base de tout, c'est le réseau, vraiment, je pense. Un mot pour la fin, la génération Roots est en marche. Real gone.